C'est une base, mais merci. J'espère juste que. C'est ça, en fait, ça, je venais te demander si était venu parce qu'il y a trois chars de police qui sont Ouais, c'est arrêtés. ça. Qu'est-ce qui arrive Ils sont ici? ici sur le base en son temps. Parce que sécurité ne m'arrase pas. Je suis correct avec eux depuis 5 mois maintenant. OK. Je viens ici chaque dimanche. OK. Et il vient me parler peut-être. Ouais. OK, on va voir. Si tu veux voir, tu peux rester. Ça te va si je suis pas loin? OK. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. En français? Oui, je parle français. Vous allez bien? Oui, c'est pas mal Oui. bien. Je suis ici tous les dimanches, sans Tous problème. les dimanches? Ouais. OK, comprends. Et nous, on a un appel, OK, je vais être honnête avec vous. Ah. On a un appel parce qu'eux, ils ont obtenu une ordonnance d'injection. Mais contre les Independent Jewish Voices, OK. C'est ça, là, j'ai des collègues qui sont allés confirmer l'ordonnance. Je vais Ouais. juste aller vous voir pour qu'on se parle un peu. Ouais. Et on m'a dit que vous étiez très coopératif. OK, on va juste démêler tout ça. Si vous Ah, avez OK. le droit, s'en va, puis on passe une belle journée. Ah, OK. Ça vous va? Très Ça vaut bien. une pièce d'identité sur vous, monsieur? Oui. Alors, Non, l'autre organisme, qui sont des fanatiques, Ouais. on a eu une session il y a quelques années. OK. Parce que eux, ils ne veulent pas faire attention. Moi, je suis deuxième génération Ouais. survivant de l'Holocauste. Je les explique qu'on ne peut pas parler avec des Juifs comme ils veulent. OK. Mais il n'a pas fait attention, moi. Il m'a expulsé. Quand ça? Ça date de quand? 2008. 2008. Alors, je continuais avec mon propre organisme. Qui vient de. Ah, merci, monsieur. Moi, je viens d'une tradition des Juifs européens qui étaient les socialistes antifascistes. Le Bund s'appelle. Ma OK. mère était bundiste, le ghetto de Varsovie. Identifier l'autre monsieur. Hein? Identifier lui. Non, il est passager. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec vous? Non. OK, il ne manifeste pas avec vous? Non. OK. Alors, Mais ma vous. mère m'a enseigné pour ne pas être sioniste parce Êtes-vous qu'ils sont. juif, vous? Oui. OK, c'est ça, c'est pour ça. Tu vois mon nom? Ah, je ne l'ai pas encore regardé. Bon, ben oui. Mais je parle bien français quand même. Ben oui, c'est ça, je vois. Oui, je sais. J'ai passé mon doctorat à l'Université de Québec à Montréal. Je suis Ah, OK. docteur en sciences politiques. Ah! Oh. UQAM, c'est le meilleur. Vous avez une bonne éducation. Le meilleur de toute l'Amérique du Nord. Ah, oh, c'est bon, ça. Oui, ça c'est la vraie politique qu'on laisse passer là. C'est quoi, aujourd'hui, normalement, vous venez à chaque dimanche? Oui. Puis vous restez combien de temps? 3 heures. Vous restez 3 heures? Je peux pas. Dans le froid, non, même maintenant, pas plus que 3 heures. Ah, puis c'est quoi, vous restez sur le trottoir, puis Oui. vous montrez votre pancarte. J'ai dit à tout le monde qui passe de ne pas soutenir un génocide en Gaza, c'est OK. tout, juste une fois. OK. Votre numéro de téléphone, monsieur? Ah, 514 Ouais. 235 2, 3, 5. 71 Ouais. 87. 87. Ouais. Allez, je vous le redonne tout de suite. Merci. Puis c'est pour quelle association? Ici, Alliance des Canadiens juifs concernés. Non, c'est ici Québec, alors c'est français. On va juste attendre qu'ils reviennent voir c'est quoi l'ordonnance. Oui. Puis vous êtes au courant qu'il y a une ordonnance. Oui, je l'ai lu. Elle ne Vous l'avez s'applique lu. pas à moi. C'est Ça contre les s'applique pour qui? Independent Jewish Voices. OK. Et aussi le Palestinian Youth Movement of Concordia University. Mais moi, je n'étais pas présent pour leur émeute. No genocide allowed in Gaza. C'est quoi le code QR? Ça m'amène où si je le. Ah, celui-là, c'est le lien ici. OK. L'autre côté, c'est un manifeste que j'ai écrit en 1988, après la guerre en Liban. À cette fois-là, un des réfugiés s'était massacré 3 000 pendant 3 jours. OK. Mon livre sur ça, c'est dans la bibliothèque ici. J'ai 4 livres dans la bibliothèque. Ça, c'est une pétition pour les Juifs pour signer contre le génocide. Et l'autre, j'oublie. On peut prendre une photo.
si tu veux. Ben oui, je vais en prendre une, puis tu prends une photo. En même temps, checker les cartes. Oui, il faut regarder c'est quoi là-dedans. Mais moi, je considère que je suis en train de faire un piquetage d'informations pour éduquer le monde. Ouais, non, c'est ça. Nous, mais comme je l'ai dit, nous, on a un appel. Si l'ordonnance s'applique à vous, on n'aura pas le choix. Mais si vous me dites qu'elle ne s'applique pas à vous, ben, oui. Passez une belle journée. Merci. Il est au courant qu'il y a une ordonnance, mais il dit, lui, il est pour un autre organisme, ça ne s'applique pas, lui, il est pour cet organisme, il était au courant. Vous pouvez voir que c'est contre les Independent Jewish Voices, et moi, je suis quitté avec eux depuis 2008. Alliance canadienne des Juifs concernés. Oui, c'est ACJC. C'est notre organisme, c'est depuis 2006. Independent Jewish Voices, c'est depuis 2008. C'est celui qui parle de tout tantôt. Montréal, Palestine, non. Palestine, Alliance Palestine. Non, il y en a-t-il d'autres sur votre page? Non. Donc, après, ça donne une adresse pour laquelle tu es étudiant. Ah, ici, mon page. Donc, t'as dit 50 mètres. Oui, ça c'est pour. 50 mètres pour. Ça c'est seulement pour Independent Jewish Voices. Excusez-moi, c'est écrit là, Independent Jewish Voices? Les deux codes QR, ça marche pas. C'est ça, moi je n'ai rien à faire avec eux. Non. Okay. On a quitté en 2008 parce qu'ils sont cons. Ils sont fanatiques et ils ne respectent pas la communauté juive non plus. Malgré qu'ils sont juifs. Ça, c'est des juifs assimilés. On ne peut rien. Vous êtes ensemble quand même, vous deux. Oh, il vient de passer. Je vais juste m'assurer. En fait, je vais juste voir ce qui se passe. OK. Vous n'êtes pas pour la même organisme. Nous, on est les membres plus âgés, alors je suis le seul qui vient. Les autres, c'est des jeunes qui sont cons. No genocide in Gaza, not in our name. Oui. Ah, vous avez raison, monsieur. Vous avez le droit. Vous faites pas partie. Il y a plusieurs organismes qui n'ont pas le droit. C'est ça. Vous n'êtes pas dedans. Et je suis d'accord avec l'injonction aussi, parce qu'ils ont fait de l'harcèlement. J'ai même vu une photo d'un Palestinien qui donnait le salut des nazis. Mais est-ce qu'ils sont venus vous parler? Eux? Oui, ils ne sont pas venus vous parler, confirmer pour qui vous étiez. Non, non, ils ne me regardent pas, ils ne me parlent pas. Ils sont venus ici il y a 2 semaines sur un dimanche, et ils étaient ici avant moi, et ils voulaient même me parler pas. OK. Et je connais plusieurs de ces gens-là, des gens qui viennent d'habitude de la manifestation palestinienne, mais ils ne veulent pas me soutenir parce que je suis trop juif. Bon, mais je vous dérange c'est pas fou, plus là. Mais c'est comme ça, là. Ah oui, ben que, comme je l'ai dit, on est confirmé. Vous avez le droit. Soyez juste prudent. C'est très bien. Merci bien. Vous avez passé une belle journée, monsieur. Oui, merci. Bonjour. Pas de génocide en Gaza. Thanks, man. OK, have a good day. OK, great. Did you get any video? Okay, yeah, you can share that if you want, you know, to show. I'll make sure, like, if I'm posting it, I'll make sure, if I'm sharing it, I'll make sure that your face is not necessarily. Oh, no, my face is okay. I'm out in public. I'm okay. That's why I have a body cam to protect me. I've been attacked 3 times now. Yeah. I've seen that, and j'ai remarqué, et puis ça m'a comme rassuré, d'une certaine façon. Ouais. C'est good.